Allez, c'est parti, venez directement ici ouvrir les appuis, petit échauffement. Donc, gym harmonie avec chaise pour aujourd'hui, chaise, banc ou quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous asseoir tout simplement, d'accord? Ensuite, on va adapter selon la hauteur de votre chaise ou de votre tabouret pour pouvoir travailler plus ou moins bas, de manière plus efficace ou non, d'accord? Je viens chercher ici sur le côté dans un premier temps pour démarrer l'échauffement, étirer ici, puis de l'autre côté, étirer là. Revenez, allez chercher les deux mains à droite, remontez les deux mains à gauche et revenez. Main sur les hanches, monte, monte, monte et monte. Grandis-toi directement, d'accord, vraiment mets-toi dans une dynamique, posture tonique, rentre le ventre, serre les abdominaux, allonge au maximum le corps. Imagine une ficelle accrochée au sommet de ton crâne qui te tire vers le ciel. Monte et monte, monte et monte. Très très bien, on va essayer de bien se réveiller ensemble. Ok, abduction sur le côté ici, pointe de pied vers l'intérieur. 4, 3, 2, 1, reprends, 4, 3, 2, genoux maintenant et monte. Respirez en continu. Ok, relâche ici, touche, touche. Le même mouvement hein, que notre premier exercice, sauf que là on le fait en dynamique. Inspire. Et reprends, bien touché ici. Remonte de l'autre. Et remonte de nouveau. Remonte, dernière. 4, 3, 2, genoux. Allez, on commence à se réchauffer doucement. Donc, je parlais de chaise, de tabouret, hein, c'est possible sur un canapé également. Ce sera un petit peu moins top pour les personnes qui ont un canapé bien mou, bien confortable pour regarder une petite série. Mais pour faire les exercices, génial. Relâche ici. Ouvre. 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 Là. Là. 4, 3, 2. Et les deux en même temps. Inspirez. Et expirez. Une deuxième fois, j'inspire. Et j'expire. Une nouvelle fois. Et relâchez. Ok, on va partir sur le corps de séance de ce gym harmonie. Donc on va démarrer tout simplement par du squat assis. D'accord? Vous allez venir ici, placer les pieds largeur de hanche. Avec l'accessoire que l'on a aujourd'hui, vous n'avez pas le droit, c'est interdit de réaliser un mouvement qui n'est pas correct techniquement. D'accord? Celui-ci va vraiment nous aider à bien travailler. Donc vous allez bien placer les pieds ici, stable. Venir vous grandir, d'accord? On ne vient pas de sortir d'un gros repas, on se grandit directement. Je serre les abdominaux, bras devant. Deux temps, maintenant. Et un, deux, et redescends. Et une, et deux. À chaque fois, je m'assois sur la chaise. Hein. On vient s'asseoir totalement, repartir d'une vitesse zéro. D'accord? Attention à le fait de s'asseoir. Ça ne va pas forcément être plus facile. Pour certains, vous avez déjà travaillé avec moi sur ça, sur un step notamment. D'accord? Le fait de s'asseoir, ce n'est pas plus facile. Au contraire, on repart d'une vitesse zéro à chaque fois. Donc, il faut relancer le corps. D'accord? Regardez ça. Attention. On évite totalement cette bascule ici pour repartir. D'accord? Abdos serrés plus vite. Bas et pause. Bas et pause. Bas. Pause, toujours en venant s'asseoir. Je m'assois et je remonte. Très très bien. Parfait. Encore. Allez, approchez-vous. Donc, n'hésitez pas, un canapé, chaise, tabouret, peu importe. Ok, bras vers le ciel, toujours. Tac. Je m'assois.
Pour la plupart d'entre vous, hein, je vous assure, vous allez avoir tendance à faire ça, partir et revenir, d'accord? On a tous cette fâcheuse habitude là de venir faire ça quand on se remonte d'un canapé ou autre ou d'une soirée popcorn. L'idée c'est vraiment d'être bien verrouillé, bien serré au niveau des abdos et de pousser vers le ciel. Très très bien, grandissez-vous. Parfait. Nickel. Ok, sans s'asseoir maintenant, les bras devant. Je touche et je monte. Touche et monte. Encore. Touche. 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 Là, pour ceux où le niveau est trop facile, n'hésitez pas à enlever la chaise, d'accord? Mais si vous l'enlevez, vous devez aller plus bas que celle-ci. Je descends plus bas et je remonte, d'accord? En bas et hop. Si c'est pour aller plus haut que la chaise, alors gardez cette chaise. Allez, on lâche pas. Et les bras vers le ciel de nouveau. Allez, forcez-vous à utiliser cette chaise pour vous forcer à vous grandir au maximum. Encore. Très bien. J'en veux 16, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, relâchez, soufflez, secouez un petit peu les jambes, main sur les hanches, même chose en touchant cette chaise, on va venir toucher 3 fois cette chaise sur des petits, 1, 2, 3 et je monte, 1, 2, 3 et monte, 1, 2, 3 et monte, vraiment essayez d'utiliser ce support pour vous forcer à aller bien bas. 1, 2, 3 et bon, psychologiquement ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous aider de vous dire ok, je sais que je peux remonter seulement après avoir touché cette chaise, ce canapé ou autre. Allez, encore, encore, et 1, 2, 3, pause, 1, 2, 3, pause, regardez loin devant toujours, pause. Encore, 8, c'est bien, allez lâchez pas, hein. Toujours ces 3 petits rebonds, allez il vous en reste 4, 4, 3, 2, 1, ok, relâche, souffle, très bien. Avec ou sans support, vous allez venir tout simplement vous placer à côté de votre chaise, d'accord? Je vous mets de profil à vous, pied droit devant, pied gauche derrière, pointe de pied à gauche. Si tu as l'habitude, sans chaise, sans rien, main sur les hanches, je verrouille. Le talon derrière n'est pas au sol. Si tu préfères te tenir, pose la main ici sur ton support et tu viens descendre, d'accord? Je préfère un mouvement bien réalisé et avec support que mal réalisé sans support. Main sur les hanches ou main sur la chaise et on va partir lentement, très lentement sur la première. Rapide. Allez, courage. Mets-moi durer. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, encore en bas et en haut, bas et haut, descend, descend, c'est bien tout le monde. Allez, n'hésitez pas à descendre bien bas, hein. Dans l'idéal, on touche le sol, boum, encore, 8 dernières, après ces 8 répétitions, je vais vous donner une option un petit peu plus difficile, d'accord? Un tout petit peu plus dur. Si déjà c'est extrêmement difficile, gardez ça. Ok, maintenant bras vers le ciel. Boum. Ok, ce qui va me forcer à avoir le dos droit. Attention, ne creusez pas le dos.
Restez bien vers l'avant. Allez, plus bas. Courage, Babette. Un petit peu plus bas. Janine, c'est bien. Claudine aussi. Allez, lâchez pas. Et relâchez. Soufflez. Cool. Venez avec moi vous asseoir ici sur votre support. Vous allez utiliser le support pour être très très fort. Travaillez sur un mouvement que peut-être vous n'oseriez pas faire à la base. C'est un squat jump. Je suis assise et je vais sauter et amortir. D'accord ? Appliquez-vous à amortir. C'est-à-dire que je ne saute pas et boum ! Je viens juste travailler ici doucement et je viens m'asseoir. C'est possible. Option facile, juste ça. D'accord ? Ou option plus dure, je m'envole et j'amortis. Adaptez. D'accord ? Amortissez, c'est parti, go, hop, et j'amortis, parfait, et j'amortis. On est sur un gym harmonie, on utilise une chaise, et je sais que vous êtes capable de le faire. Travaillez-le en sécurité, l'objectif c'est de faire le moins de bruit possible au sol. Je descends, et là je suis souple, ok? Allez, courage, poussez, 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 c'est pas long. Pensez à sauter, à amortir. Si ça commence à être trop difficile, n'hésitez pas à monter sur les pointes de pied à la place du saut. 15 petites secondes. Tenez bon. Celui-ci va vous faire monter un petit peu le cardio. Allez, encore, on lâche pas. Ça chauffe. Qui est méchant? Et on relâche, cool. Allez, venez avec moi, on va dérouler un petit peu les jambes ici. Monte, monte, monte. Restez bien droit, serrez fort les abdominaux. Ok, la même chose, mets les bras devant. Allez, montez très haut ces genoux. Si c'est facile, option plus, dans le cas où tu es à l'aise, mets plus de rythme. Choisis l'option que tu souhaites. J'amène énormément de variantes, énormément de possibilités aujourd'hui, d'accord, pour essayer de satisfaire le plus de personnes possible. Allez, gardez ça. Abdos serrés. Et relâchez. Directement, vous allez venir placer le pied gauche devant, le pied droit derrière. Avec ou sans chaise, lent. Et rapide. N'oublie pas, hein, possibilité du support. On descend bien bas. Essayez de faire en sorte que le genou de devant n'avance pas. Je descends bien à la verticale. Vertical et je remonte. Travaille sur la cuisse, la fesse, les abdos également, les fentes. Hein, c'est un mouvement classique, très efficace. Allez, tenez bon. En bas et en haut. Maintenez bien vos abdominaux serrés. Un gros verrouillage au niveau de la sangle abdominale. 8 fois, puis on passe à une variante plus. Deux, un bras au ciel. Ah, et comme tout à l'heure, on ne creuse pas le dos. Allez, maintenez bien les abdos serrés. Forcez-vous à garder les bras tendus. Vous allez avoir tendance à les fléchir un petit peu. Boum, tendez-les, soyez forts. Relâchez et on est parti. Deuxième phase sur cette chaise. Je reprends les rebonds. Voilà, je ne vous demande pas de toucher le plafond, loin de là. Là, je vous autorise même à balancer un petit peu le corps. Adaptez. Allez, encore.
Allez, maintenez. Je veux surtout en fait qu'il n'y ait pas d'arrêt sur votre mouvement, c'est-à-dire un mouvement continu. Voilà, mon corps il bouge sans cesse. Je ne suis pas là, là j'ai bloqué et je repars. Non, d'accord. 25 secondes, allez, ne lâchez pas. Parfait, parfait Chantal, nickel. Ghislaine c'est bien, Yolaine aussi, on s'accroche. Allez tout le monde. Petite pause juste après cet exercice. 5 secondes. Ok, relâchez. Je vous laisse boire, souffler, récupérer. Ça va? Ouais, nickel. Cool. Parfait. Ok, on va revenir s'asseoir ici. Cette fois-ci, vous allez avoir les deux pieds pratiquement joints. On va laisser aller 10 cm maximum entre vos deux pieds. Vous allez garder les genoux dans l'axe. Vous allez avoir les chevilles sous vos genoux, d'accord? Donc j'insiste bien là-dessus également. J'ai les chevilles sous les genoux, pas vers l'avant ni vers l'arrière. Chevilles sous les genoux, d'accord? Un squat qui va être un petit peu plus dur. D'accord, je viens travailler ici et on monte. Main sur les hanches, deux temps. Et une, deux, une, deux, une, deux. N'oubliez pas, c'est vous qui allez choisir la difficulté du mouvement. Si tu réalises un bon mouvement, moi mon banc il n'est pas si bas. Et pourtant là je ressens bien mes cuisses travailler. D'accord, parce que je vais être concentré sur le muscle que je dois ressentir, l'avant de mes cuisses. Et je vais surtout serrer fort les abdos. Pour certains, vous l'avez vu, hein, vous avez rapidement tendance à avoir envie de faire ça. Yes! Et pourtant, moi, je vais chercher à me grandir le plus possible. Ok? Essayez de bien resserrer vos pieds, hein, comme ça. Serrez bien les pieds. Voilà, forcez-vous, hein, squat vraiment sur les quadriceps. Parfait. Nickel. Et plus tu vas essayer de te grandir, mieux ça va être. Attention, pour certains, je vous vois utiliser le balancier ici. Imaginez vraiment que je viens vous bloquer les épaules. Boum. Et là, je reste droit. Je ne fais pas ça. Je suis bien droit. Et ici, ça va être encore plus difficile avec la vitesse. C'est parti. Rapide. En haut, en bas. Haut et bas. Pousse. Reviens. Pousse, attention, j'insiste, ne passez pas vers l'arrière. N'hésitez pas hein, vraiment à vous corriger. Fort les abdominaux. Gardez les mains sur les hanches. Babette, c'est bien. Attention, pour certains, je vois le corps qui fait ça. Ok, plus dur, les mains devant. Allez, courage! Je sens qu'il va y avoir des chaises à vendre ce soir sur le bon coin. Allez, accrochez-vous! Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon! 4, 3, 2, encore plus dur, bras au ciel! Pousse! Les deux mains viennent se tenir ici, l'une contre l'autre. Allez, accrochez-vous. Abdos serrés encore plus. Tenez bon. Et 16 fois. 16. 15. 14. 13. Attention au mouvement de balancier. Voilà, bien concentré. Les abdos bien serrés. 8 fois pour 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, 1, relâchez. Venez avec moi, ouvre,
main sur le ventre, toujours bien gainé ici, je reste en mouvement. Très bien, 4, 3, les bras, maintenant, monte, 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 monte. Coordination, stabilisation. Ok, seulement à gauche. Vous allez vous amuser à bien fléchir le genou droit. Ok, ici, là. Si t'es à l'aise, ne touche plus le sol. Et j'insiste bien, mon genou d'appui ici, il est fléchi. Ok, encore. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, pour 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ok, alterne, reprends, monte, 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 resitue tes mains sur le ventre, seulement à droite. Main sur les hanches. Fléchis la jambe gauche. Stabilise. Allez, courage. Allez, encore, ne lâchez pas. Allez, tenez bon. 16 fois, 16, 15, 14, 8, 1. Ok, vous pouvez relâcher, je vous laisse voir, prendre une petite pause, on va monter l'intensité une dernière fois en position debout, puis on va pouvoir passer au sol. Alors, on reprendra dans 1 minute 55 secondes également. Intensité un petit peu plus élevée, d'accord? Là, je vais vous demander tout simplement d'essayer de suivre au maximum les mouvements. Toujours être vigilant sur la maîtrise technique de chaque exercice. On monte l'intensité. C'est très dur sur un gym harmonique de vraiment pouvoir adapter à tous les niveaux. Adapter, d'accord? Vous avez les connaissances, les compétences. Allez, dans 27 secondes. Enchaînement de différents mouvements, un petit peu plus difficiles comme évoqué tout à l'heure. Gardez la chaise pas très loin. Intensité élevée sur 7 minutes environ. Allez, on va partir. Et ça fait bas, bas. Bah, pour l'instant, ça va. Allez, garde le rythme. Ok, les bras viennent ici. Bas. Bas. Descends. Descends. Inspirez, saute. 4 et 3, 2 et 1. En bas. Pousse. Bas. Pousse. Bas. Pousse, bas, pousse, bas, pousse, bas, pousse, bas, pousse, bas. Serre les pieds et ici haut. Les mains serrées à l'avant. Allez, courage, on descend bien bas, belle amplitude.
Encore. Ok, reste ici, serré, en bas, 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 tout petit, tout sur l'avant des cuisses, encore, maintenez, attention, 4, 3, 2, même chose, bras tendus, allez, courage, allez, on tient bon, allez, allez, on s'accroche. Relâche. Utilise la chaise. Les mains ici, à côté de tes fessiers. Descends le long du banc. Et remonte. Bas. 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 Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler ses bras et de repousser. Les jambes pratiquement inactives. Très bien. Allez, ce sera pas long. Vous venez travailler ici votre triceps. Vous devez ressentir ici le muscle à l'arrière de votre bras. D'accord? Souvent négligé, c'est pourtant le muscle qui représente 2/3 de votre bras. D'accord? Donc lorsque vous voulez le travailler, favorisez ce type de mouvement. Encore. Allez, encore un petit peu. Ne lâchez pas. Revenez avec moi. Position debout. Main sur les hanches. Je descends et je reviens. Fente alternée. Cherchez à aller vers le sol et non vers l'avant, d'accord? Vers le sol et non vers l'avant. Allez, courage. Allez, 16, 15. 14, 13, 12, 11, 10, 9, plus que 8, 8, 7, 6, 5, courage, équilibre, abdos, inspire, relâche avec moi ici, on finit par un petit mouvement cardio. Trois possibilités. Possibilité 1. 4. 3. 2. Possibilité 2. Si l'option 1 était trop facile, passe à l'option 2. Si l'option 2 est trop facile, option 3. Allez, go! Choisis. Option 1. Option 2 ou option 3. Dans tous les cas, sur ces trois options, il te reste 30 secondes. Allez, tenez bon. On passera au sol juste après. Allez, encore. Et boum, boum. 15 secondes. Allez, lâchez pas. Choisis l'option qui te convient. Je suis sur l'option 3. Je suis sur l'option 2. Et l'option 1. Et relâchez. Super. Je vous laisserai prévoir votre tapis pour passer au sol. Ok, vous n'allez plus avoir besoin de votre chaise, seulement d'un tapis, de motivation, de l'énergie. Allez, on a bientôt terminé. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais on a bientôt terminé. Abaissez les épaules, allongez la nuque, bras le long du corps. Relevez de bassin. 4, 3, 2, 1, en haut. En bas, haut et bas. Expire à la montée, inspire à la descente.
Ok, même chose, bras vers le ciel. Expire et inspire. Reste en haut. 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 La même chose sur le côté. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Gardez les fessiers bien serrés. Ça doit chauffer. Au niveau des fessiers, du bas du dos. Reprends derrière les deux bras. Allez, toujours les fessiers contractés. Et les deux côtés. Allez, plus haut, plus haut, plus haut. Et relâchez, soufflez. Attrape le genou droit. Puis le genou gauche. Les deux genoux. Et bascule vers l'avant, position assise. On basculera sur le côté, la cuisse gauche contre le sol, la jambe droite vers le ciel. J'allonge le bras gauche, je pose la main droite au sol. Hanche verrouillée, rentrez le ventre, allongez-vous. Et on est parti, bloc. Allez, statique, on va chercher à contracter cette zone-là du corps. Serrez bien cette partie-là, contraction volontaire. Pour l'instant, on ne bouge pas, nous sommes statiques. Et c'est parti, en haut, en bas, haut et bas, monte, monte, lève, lève, souffle, souffle, encore, monte et descend, monte et descend. Bloc, petit. Et relâchez, fléchissez pour relâcher, détendre votre fessier. Ok, nous allons pouvoir passer face au sol. Et directement, venir ici, position gainage, sur les genoux ou sur les pieds. Allez, maintenez. Serrez fort la sangle abdominale. Et bah c'est pas mal tout ça, que des bonnes positions. Non, c'est bien, 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 super tout le monde. Allez, courage. Allez, 20 secondes. Allez, 20 secondes, vous allez réussir. Pardon, accrochez-vous. Et 4, 3, 2, relâchez, soufflez. Ok, on va passer de l'autre côté, cette fois-ci la cuisse droite contre le sol. Et la jambe gauche vers le ciel. Et on va bloquer, rester
Restez dans cette position. Allez, maintenez bien abdos serrés. Single en haut, en bas. Bloc petit. Et relâchez, soufflez, tirez sur le fessier, relâchez. Et on va passer sur le dos. Les deux pieds au sol, main derrière la tête, rentre le ventre, monte et reviens. Allez, on a bientôt terminé. 1 minute à 1 minute 30 encore. Allez, montez très très haut, énormément de mouvements sur ce gym harmonie, d'accord? Ce qui permet également de travailler tout le corps. Sans mettre trop de pression sur une zone en particulier. Bien pour démarrer la semaine. Gardez le menton décollé de la cage. 4, 3, cheville gauche, genou droit, main gauche sur le ventre. De l'autre côté. Huit derniers. Fléchis genoux, lève les pieds. 15 répétitions. 14, 13. Va chercher très très haut. C'est la fin. Plus que 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez, soufflez, récupérez, étendez les bras loin derrière, étendez vos jambes, récupérez, étirez, relâchez, fermez vos yeux, prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. J'inspire, je gonfle la cage, j'expire, je relâche. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Je vous laisserai attraper vos deux genoux. Ouvrir le bras à droite, le bras gauche, à gauche. Laissez tomber les genoux à gauche et votre regard à droite. Et de l'autre côté.
basculer gentiment vers l'avant en position assise. Vous allez pouvoir basculer face au sol et prendre votre temps pour dérouler la colonne vertébrale en respectant votre schéma. Vous allez pouvoir venir avec moi, les pieds joints. Inspirez. Expirez, relâchez. Inspirez. Expirez, relâchez. Une troisième fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche. Vous allez pouvoir ouvrir les appuis. Et gentiment, roulez la colonne pour aller chercher les deux chevilles. Puis fléchir genou et déroulez gentiment votre dos. Vertèbre après vertèbre. Pour venir une dernière fois, inspirez. Et expirez. Je vous souhaiterai une bonne journée. Je vous féliciterai pour cette séance. Bonne semaine à tout le monde.